Salut à tous, mon nom est Ike, nous voici ensemble pour un épisode de Battletech. Alors, on va reprendre notre aventure. Alors, j'ai fait quelques coupes dans la vidéo précédente parce que c'était très long la partie MechBay. Donc, je vais faire un petit résumé de ce qu'on a fait. Donc, on est venu sur une nouvelle planète et on a mis nos mecs en réparation. Notre Kintaro est toujours pas modifié. Mais voilà, on a le Shadow qui est enfin arrivé et les trois autres. Alors, qu'est-ce qu'on a mis sur les mecs en question? On va faire ça rapidement. Donc, sur lui, on a remplacé le SRM4 par. En fait, on l'a enlevé. Je voulais mettre un long range missile pour améliorer le tir à distance et puis les dégâts à distance. Et au final, on s'est retrouvé à le retirer simplement et à le remplacer par l'anti-missile système. Donc, les munitions de l'anti-missile système dans le torse et l'anti-missile système lui-même dans le bras gauche. On aurait pu le mettre dans le bras droit avec le RPPC, mais ça donnait vraiment trop de choses dans le bras droit. Déjà que c'est une faiblesse, mais voilà. Du coup, il a plus qu'une arme, mais il a un système anti-missile qui va le protéger à longue distance. Et j'ai maxé son armure, bien sûr. Vous voyez, hein, son armure est solide. Même à l'arrière, il a une armure solide. Donc ça, c'est simplement parce que si jamais on commence à ne plus avoir de PPC, si on se fait arracher le bras, bah, il n'aura plus qu'une option, c'est le corps à corps. Et à partir de là, bah oui, l'armure arrière pourrait servir parce qu'il serait facilement contournable si jamais il s'approche trop près de l'ennemi. Avec le système antimissile, on va le protéger un peu plus de la distance. Voilà, simplement. Le SRM4 ajoutait Il pouvait enfin, il pouvait soloter des mecs lui tout seul. C'est-à-dire il mettait un coup de RPPC, il faisait un trou dans la carlingue. Et ensuite le SRM4 il servait à quoi? À faire des critiques dans ce trou, finalement. Mais vu qu'on est on fait pas des missions en solo, ça posera pas de problème. Il suffit qu'il soit avec les copains, quoi. Voilà. Donc le Panthère, un rôle d'équivalent de Shadowhawk, d'équivalent de Faucon Phoenix, Faucon Ombre, Guêpe. Enfin, il y a plein de Battle Mech qui sont un petit peu dans ce style. La Guêpe, c'est encore un peu comme un Locust. Le Locust, qu'est-ce qu'on a changé? Bah, j'ai retiré les mitrailleuses et j'ai mis des flammeurs à la place. Donc j'ai mis trois flammeurs. Comme ça, on peut faire que du corps à corps avec. Et faire chauffer nos pauvres victimes. Ça changera pas grand-chose. On perd le laser moyen, donc on n'aura plus du tout de puissance de feu à longue distance. Ça sera que du corps à corps. Donc, ça sera surtout un scout et scanner. Le Janer, qu'est-ce qu'on a modifié? Ben, on a retiré le SRM4. Pareil, comme ça on n'a plus de missiles dessus, ça devient un zombie. Un petit zombie. Il a les 4 médiums laser, hein, comme toujours. Et qu'est-ce qu'on a amélioré? Ben, on a simplement amélioré l'armure. On a augmenté l'armure bien plus haut. Et encore, on est loin d'être au taquet, hein, je crois. Voilà, oui, vous voyez là, il reste plein d'armures à mettre. Hein. Mais il n'y avait pas autre chose. L'autre moyen, c'était de réduire le corps pour réduire le mouvement. Et puis blinder l'armure. Mais je me suis dit que le mouvement était quand même un truc qui pouvait le faire survivre. Vous voyez, il n'a pas beaucoup d'armure arrière. Il n'a pas beaucoup d'armure globale. Tous ses lasers sont dans les bras. Donc c'est une bécane quand même qui est sacrément fragile, même si elle a un peu de punch. Là, on a perdu un peu de punch avec le SRM en moins, mais on évite les explosions, on évite ce genre de choses. J'ai rajouté un heatsink au centre. Non, en fait, j'en ai retiré un de heatsink pour du blindage. Voilà. Parce que le blindage était vraiment à la rue. En fait, c'est son moteur qui le rend si rapide qui le pénalise aussi. Par contre, il a toujours son set de saut, et voilà. Et le Shadow Hawk, on l'avait modifié ensemble, hein, la première fois, ERPPC avec deux médiums, je crois. SRM. Ah non, SRM6 et SRM4. Ah oui, c'est carrément mieux. Là, oui, on a de la puissance de feu sur le Shadow Hawk. C'est un bon sniper, mais c'est aussi un bon skirmisher, du coup. Bon, on va tester tout ça. On va aller voir les nouvelles missions. On a vu qu'il y en avait un petit paquet. Et on peut toutes les faire avant de changer de planète. Donc ça nous fait pas passer de jour. On peut toutes les faire si on n'est pas endommagé. Donc en fait, l'idéal, c'est de faire les plus faciles. Comme ça, on risque moins d'être endommagé. Et ensuite, passer aux suivantes. Ce qui nous évitera la banqueroute. Alors, les plus faciles, on a 1, 2, 3. On aurait aimé faire celle-ci en premier. Pour les sous, mais en vrai, ça devrait pas être un souci si jamais on les accumule. 418, ça va pas être 418, hein. Là c'est parce qu'on a augmenté le moral le mois dernier,
Mais je pense que ça sera 200 si jamais on veut pas augmenter le moral. On pourrait même baisser pour pas faire la banqueroute. À moins que ça soit à chaque fois pour le mois suivant le choix qu'on fait sur le moral. Et à ce moment-là, ouf, ça va être risqué. Mais bon, commençons par une petite mission simple. Capturer la paye des pirates locaux. Donc c'est bien, c'est les pirates du coin. Il y a plus de salvage qu'autre chose. On va prendre 29 000. Bon, bah voilà, hein. Mais on aura pas mal de salvage à récupérer. Et on vendra du salvage avant le jour fatidique, hein. Donc, Mustang, on l'enlève. On va retirer tout le monde. On va mettre le Shadowhawk. Alors, le Shadowhawk maintenant, c'est un mec qui peut ne pas trop bouger, qui a suffisamment d'armure, donc on va remettre Behemoth. Mais c'est un mec aussi qui saute et qui peut aller sniper, donc le mouvement ou la stabilité, peut-être sympa. Alors c'est marrant qu'elle ait les deux, hein, Behemoth. Qu'elle ait des bonus quand elle est en mouvement et des bonus quand elle est statique. Vous voyez, donc elle est toujours défensive. C'est que de la défense par contre. Le Locust, donc il lui faut simplement du senseur. Adrénaline était très bien dans le Locust. Le Panthère, ben, il lui faut de la stabilité et du senseur parce que c'est un léger quand même. Et enfin, le Jainer. Non, le Panthère à la limite. Ah, mais il a plus qu'une arme. Hein. Le Multishot servira à rien, mais on pourrait lui mettre simplement la folle. Il manque un mec quand même. Hein. Non, juste pour assurer, on va lui mettre le plus 1 de mouvement. Et le Jainer. On va inverser. Ouais, le Panther peut rester statique. Senseur au cas où. Jainer. D'accord. Comme ça. Voilà. Et la folle, ben, n'y est pas. C'est pas très grave. Hein. Elle envoie 4 de ses hommes régler la mission. Elle leur fait confiance. Ça devrait le faire. Alors, on aura beaucoup plus de personnalisation possible avec les mecs dû au nouvel équipement. Hein. Vous verrez que si jamais on peut passer en endostyle, si on peut passer en ferrofibreux, si on peut passer en moteur XL, tout ça, même des 20 tonnes, peuvent être complètement améliorés, avoir plusieurs armes qui ne sont pas, qui n'ont pas habituellement. Hein. Alors, hop. Sécuriser la facilité d'un pirate local avant qu'il la distribue. Ok, allez, on est parti. Alors, je reçois des informations de notre employeur. Il pense que la base va être bien plus défendu que nous ne l'avions prévu. Donc là, on est sur une lune, hein. Nous avons besoin de bouger et d'aller jeter un œil à la base pour voir quel genre de puissance de feu nous allons être opposés. Alors, une fois que nous avons pris la paye, le léopard nous extracte à la zone de départ. D'accord. Bonne chasse, commandant. Oliveira out. Donc il y a plus d'ennemis que prévu par le contrat. Bon, c'est bien qu'on soit prévenu avant, hein. Ça nous permet d'être plus prudent. On va quand même essayer de tout tuer. S'il y a vraiment trop d'adversité, on fera que la mission minimale. Alors, Mustang, Garrison, Adrénaline. Ok, commençons par ça. Donc le Locust maintenant, vous voyez, a une zone de flammeur. Alors il n'y a pas de munitions sur flammeur. Comme vous le voyez, il n'y a pas de munitions comme dans le jeu de base. Ça n'existait pas. Les flammeurs prennent directement la chaleur occasionnée par votre réacteur pour alimenter les flammes. En gros, c'est vous rejetez le truc que les dissipeurs dissipent. Là, vous les dissipez pas, vous créez de la chaleur pour tirer le lance-flamme. Et en fait, c'est ça qui fait que la chaleur, normalement, augmente quand vous tirez au lance-flamme dans Battletech. Et là, non. Donc, on verra comment ça fonctionne. Est-ce qu'ils ont équilibré? Est-ce qu'ils ont remis comme normal ou non? Ok. Alors, on est sur une lune. On va re-regarder les spécificités de la lune, ce que ça fait. Oui, ça dissipe très mal la chaleur.
Ce qui est un peu bizarre parce que dans le vide spatial, j'imagine qu'il fait pas chaud, hein. Mais admettons. C'est peut-être une histoire d'isolation simplement. Hop. On est quoi là? Le panthère où il faut le mettre sur une crête. On n'aura pas de forêt ou autre chose comme ça. Hein. On peut chercher des bâtiments ou des crêtes pour justement couper les lignes de vue. Mais c'est tout. Dans BattleTech, vous pouvez vous accroupir, vous pouvez vous allonger. Vous voyez, y a des fonctions en plus dans le jeu de plateau. Qui sont pas toutes bien, attention. Hein. Vous voyez, le jump là du Janer, c'est de la folie. Hein. Là, sur un monde à basse gravité. Alors, je sais pas si c'est pris en compte, mais regardez-moi ce saut là de la mort. Et en sprint, bah, en sprint il est bon aussi, hein, vu que il a un moteur de la folie. On a une belle vue, mais il n'y en a plus que 4 médiums. Ça peut paraître un peu light, surtout qu'on n'a toujours pas rempli son armure. Mais c'est un 35 tonnes, hein. Ne pas oublier que c'est l'équivalent d'un quoi? D'un Firestarter, que vous avez enlevé les armes inutiles et que vous avez blindé en armure. Ça tank pas mal. Hein. Order. Et enfin, Behemoth qui va être à la bourre. Mais là, on a un support ERPPC un peu plus solide. Et le mouvement du Faucon Ombre est vraiment bien. Hein. C'est pas forcément ce que vous voulez pour un support, mais là, on a une team très rapide. Hein. On a une mobilité extrême, donc toutes les missions en temps limité ou ce genre de choses, on n'aura aucun souci. Aller piquer la paye et se barrer, par exemple, ça devrait pas être un souci avec notre team. D'un point de vue vitesse pure. Bon, après, on peut la faire de différentes façons, hein, cette mission, évidemment, comme je disais. Alors. Ok. Là, on va voir les contacts. Hein. Bon, j'ai un petit peu foncé sciemment. On va regarder celui qui est le plus loin. C'est peut-être celui qui a les armes à distance. Janer, ok. Bon, on a le temps. Le temps qu'il arrive à nous. Et l'autre, on va le voir tout de suite. Probablement. Ah non, il reste hors de vue. Open sensor lock. On ne peut pas le sensor lock si je n'avance pas plus vite. Ah, mais c'est notre panthère, calme-toi. Notre panthère, on va juste le laisser sur la crête quelque part par là. Bon, on a fait un saut. Et au prochain tour, on fera que tirer. Pour le moment, on n'a pas de cible de toute façon. Hein. Et le Janer, C1C. Alors, regardons un peu. 3 médium laser, 1 SRM4. On voit déjà qu'il a été modifié pour alléger un petit peu la chauffe. Un peu comme ce qu'on a fait, sauf que nous on en a laissé 4 et on a viré le SRM. Lui il a viré un médium laser. Donc il n'a pas dû modifier tant que ça, mais après il peut avoir d'autres moteurs et tout ça. Hein. Si on veut vraiment savoir toutes les modifications, il suffit de mettre le curseur sur le centre-torse et on voit que il a une armure ferrofibreuse, qu'il a un standard engine, donc il a le moteur normal. Il a juste changé son type d'armure en ferrofibreux, ce qui en général lui fait gagner du tonnage. Voilà, mais il a toujours les SRM sans case dans le. Ah si, il a un case. Donc on n'a pas l'envie d'aller lui tirer dans le torse pour lui exploser les mûnes parce qu'il a le case. Et ça, après 3025, tout le monde a le case, hein, sur toutes leurs machines. Donc l'histoire des munitions, c'est vraiment une histoire de date. En 3025, vous vous battez pas de la même façon qu'ensuite. Là pour le coup, est-ce qu'on a envie de foncer pour essayer d'avoir un tir? C'est peut-être faisable. Ouais, mais non, parce que depuis la crête, finalement, j'ai pas de mouvement. Il faut, vous voyez, contourner à gauche ou contourner par le sud. Non, non, on va faire un saut simplement. On va se mettre en position pour que eux fassent un mouvement, genre jusque là, et que nous, bah, finalement, on fasse un long mouvement. Donc, je pense que de là, on pourra atteindre ce qu'on veut. Sans aller jusqu'au corps à corps, mais on va couvrir aussi l'autre côté. Juste pour être sûr qu'il n'y ait pas des renforts du côté gauche. Voilà, on a un bon senseur gauche-droite. Normalement, il n'y a que ça. Hein. Pour le moment. Receiving Et enfin, Behemoth. Bah, Behemoth, on va essayer de lui trouver un petit angle. Je pense que déjà, on peut y arriver. Alors, il y avait un violet. 5 de mouvement.
9%. Mais on verrait l'autre. L'autre, on aura sûrement plus. Plus on est haut, mieux c'est, hein. Le SRM, ouais. On va dire là. Là, vous voyez, on a une ligne brisée. Je pense qu'on n'aura pas une belle vision sur l'autre de toute façon, hein. On va se faire un truc comme ça. Acknowledged. Ça paraît être des détails, mais l'idéal serait de le mettre même un chouïa plus haut pour bonus au toucher. On ne voit pas l'autre, hein. Vous voyez, si j'avais avancé deux cases de plus, c'était bon. On va pas tirer. 9% pour autant de chauves, ça me paraît un peu bête. La chauve va devenir un problème. Le Jainer est modifié contre la chauve, ce qui est un peu embêtant pour nous. Mais pareil, le Panther là, il va chauffer forcément. S'il a le PPC, hein. Ouais, il a le PPC, c'est un classique. Le 9R, c'est la version de base, et la version de base chauffe. Surtout quand il tire les SRM et qu'il saute dans le même tour. Alors, on va pas utiliser le lance-flamme tout de suite, on va les laisser agir et on utilisera le lance-flamme le plus tard possible. Notre Panther, d'où il est, bah, il peut tirer. On a un 43% si on bouge pas. On va se prendre un contre-feu de PPC, mais ça sera divisé. On peut se permettre de prendre un tir. Et de pouvoir en mettre un justement par là même. Ok. Alors, c'est bien tombé. Plein centre. Maintenant, tout ce qui tire dessus, ça peut toucher une partie critique. C'est un peu le problème, hein. L'armure centrale, c'est là où il y en a le plus. Donc c'est l'endroit que vous voulez pas toucher. Mais par contre, si vous faites un trou dans l'armure centrale, eh ben, qu'est-ce qui reste à l'ennemi pour se planquer? Il peut plus se mettre de côté parce que ça peut toujours toucher le centre. Vous voyez, c'est vraiment l'endroit le plus facile à toucher quelque part. Du coup, Mustang. Ils sont pas beaucoup avancés. Pas autant que je voudrais, mais je pense qu'on a largement de quoi aller les choper. Vous voyez, on a du 20%. Il faudrait les sensor lock. Et là-bas, on aurait du 37% x 4. C'est pas nul. Je me demande si on peut pas... Vous voyez, la ligne de feu est complètement brisée. Là, elle serait pas brisée, mais on serait à 30. Ouais. Si jamais on enlève 2 galons sur 2 sensor lock, il aurait aucune défense. On pourrait le massacrer, le Jainer ennemi. Mais je pense que là, c'est quand même pas mal, hein. C'est quand même pas mal, du 37. Et puis on aura une ligne brisée si jamais il décide de pas bouger. Ce qui m'embête, c'est que c'est un peu proche et j'ai peur que par dépit, il fasse un saut. On a le visé, donc 37 plus la précision, et on vise le centre-torse, ça devrait faire le taf. Il a combien en tout d'armure? Il a 42, faut 3 tirs de médium. Vous voyez, il aurait eu que 40, ça serait bon. Alors, l'arrière... Hein, ouais, ok. Oui, tir visé, donc sur lui, dans le centre-torse. Oh, la chauffe est pas mal, hein. On a touché deux fois, 18-18, c'est dommage, il reste 10 points de vie. On aurait touché la troisième fois dans le torse, c'était bon. Il manque quasiment rien. Du coup, ça me donne pas envie d'y aller au lance-flamme, mais ça pourrait tuer au lance-flamme. Mais le petit là-bas, si on le chope, je pense qu'il va pas du tout apprécier la chauffe. On a 79% de toucher, ce qui est énorme. Structure exposée, c'est le torse qui a pris un petit peu de chauffe, plus 20 de chaleur. Il y en a deux qui ont touché. Ouais, c'est pas énorme, mais bon, ça dissipe mal, hein, ici. Je pense qu'on l'aura à terme. Et enfin, bah voilà, il faut achever. On n'a pas multishot avec Behemoth, ce qui est dommage parce qu'on aurait pu faire le PPC sur un et puis les missiles l'auraient achevé parce que ça aurait touché le centre torse, quoi qu'il arrive. On peut ne pas bouger par contre, vu qu'on a le bulk. 37%. Les chances de tuer sont très minces, hein. 37%, une chance sur 3 de l'abattre. Parce que si on touche avec le PPC, ouais, il faudrait encore toucher le centre, hein. C'est pas fait, hein. Ou alors on se relocalise en marchant un peu plus haut pour avoir une visée sur les deux. Je crois que c'est mieux.
Ça, on aura un peu de défense, de mouvement, et on a quand même le bulk parce qu'on marche. Ouais, enfin, le entrenched. C'est de la stabilité, simplement. Hein. Voilà. Donc là, hop. Le battle mech nous offre une blessure sur mech warrior gratos. Ça, c'est plutôt cool. Alors, regardons. 20, 11, oui, on va pas tirer là. 50%, une chance sur deux. Fire on target. C'est raté. Mais on aura probablement l'init. Hop, on a l'init. Non, on ne l'a pas. On l'aura l'init parce qu'il est à moins 1. Mais son Jainer peut jouer. Alors, est-ce qu'il va déchauffe? Non, il y va. Juste un tir de laser, il doit pas beaucoup chauffer avec ça. Oh, il a juste marché, mis un tir de laser. Vous voyez, ça chauffe, j'ai l'impression qu'elle est stable. C'est-à-dire qu'il n'est pas en train de refroidir non plus. Donc si on continue à le harceler au lance-flamme, ça devrait le faire. Bah notre Jainer à nous, on va simplement achever lui. Ou alors... Non, il vaut mieux utiliser le panthère. On avait combien au tir avec le panthère? On avait 43%. De toute façon, il va pas se faire tirer dessus. Ouais, on bouge pas. On bouge pas, on regarde là-bas 25, ici 43, c'est parti. Touché dans le bras. Bon, c'est pas forcément ce qu'on veut, mais si on lui enlève son PPC, ça sera toujours ça de prix. Mais ce qui est horrible, c'est qu'il faut... Il faut qu'on l'achève. Hein. Alors là, ça serait bien de l'attaquer de face, mais vous voyez, on n'a pas l'option. Ou alors, on continue à harceler lui. Et même de dos. Le Locust, on va s'occuper du Jainer. On est plus mobile, plus rapide, on le fait chauffer. Ça, c'est vraiment la faiblesse de Jainer en général. C'est pour ça qu'ils l'ont modifié justement dans ce sens. Il prend pas l'attaque physique, mais c'est pas grave. Tant qu'on peut le toucher au lance-flamme, moi ça me va. J'ai pas vu. Ah, ok. Ah, la chauffe commence à monter. Et du coup, bah, là, on est embêté. Parce que je vais devoir pas beaucoup bouger avec mon propre Jainer pour pouvoir lui tirer dessus. Mais comme vous le voyez, ma chauffe commence à être vraiment tendue. Là, on peut avancer de 4. On aurait la stabilité. Faut quand même qu'on reste plus ou moins de face pour pas que l'autre nous prenne de dos. Et on va tout lui balancer. On va avoir de la chauffe. Même si on fait que marcher, vous voyez, c'est l'horreur, là. Mais 4 tirs au milieu là comme ça. Alors, on va juste en retirer un. Et boum boum la guerre. On a touché deux fois dans le centre, c'est fini. Bon, le tir de PPC, ça vous donne tout de suite le début de la game, vous voyez. Boum, ça a touché le centre-torse, maintenant on sait qu'on doit aller le massacrer au centre. Si ça avait touché un bras, ça lui aurait arraché un élément vital. Le bras gauche, ça aurait rien fait. Ça aurait été le pire endroit. Une jambe, ben ça nous aurait forcé à aller dans la jambe pour la suite. Forcé, pas vraiment forcé, mais vous comprenez que ça vous donne des opportunités, quoi. Alors, les radiations. Plus 4 pour toucher. Ok. Ça fait de la chauffe si on va dans les radiations. Ça fait de la chauffe pendant plusieurs tours d'affilée, mais ça nous donne un plus 4 pour tirer. Plus 4 difficulté to hit unit standing in radiation field. Donc c'est quand même de la défense. Est-ce qu'on a envie? De toute façon, le traverser, ça va nous... Ah oui. Ah mais non, c'est juste ces deux cases là, les radiations. Donc si je vais là par exemple, 30, 20. Et si je reste sur place, 28-17, oh ouais. Donc on gagne sur la portée. Allez. On my way. Comme vous voyez, les pourcentages sont faiblards. Hein. Mais c'est ça, Battletech. C'est pas tu touches automatiquement tout le temps. Hein. Et ça, c'est plutôt cool. Puis ça suffit largement. Regardez, il suffit qu'un tir touche. Et il est tellement dans la merde, le light. Tiens, il y a un moral qui est monté en confiant. Et il est confiant, le mec adverse. Il va nous tirer dans le dos de la Locust. Il a touché, ça a passé l'interne. Ok, on a perdu un head sink. Donc là, il va y avoir des réparations.
Bon, il a eu de la chance sur ce tir, je pense, hein, parce qu'on devait être pas mal, nous. Commençons. Alors, il a fait qu'un tir en plus, hein, il nous a touché net. Ah ouais, il a. On n'a pas de quoi encaisser un tir de laser moyen dans le torse. À part dans le centre-torse. Dans le centre-torse, on a 25. Vous voyez, si on prend 25, on prend 20, boum, il nous reste 5 points. Mais là, on n'a que 15 dans les torses. Et directement en interne. Ça aurait pu être pire. Hein. Alors, il aurait pu tirer deux médiums, nous désinguer le centre. Oui, on va quand même commencer par lui. Je pense qu'il va mourir ce tour. En fait, on veut pas qu'il gêne les tirs des autres. D'où on est, on a toujours la possibilité de lui tirer dessus. Il a pas beaucoup bougé. On va le sensor lock avec ça, au lieu de faire un tir à 37. Ce qui va améliorer... Ah, le senseur est trop loin. Merde. Si j'avance là, mon senseur est trop loin aussi. Eh ben... On va senseur avec un autre. Non. Ok. Bon, bah au lieu de se reprendre des pains, on va juste se barrer. Si possible... Si possible, ne pas être de dos, hein. Good to go. Ah mais what's arrête up, avec cette touche. Je touche sur un tab et ça me remet à zéro. On va dire là donc et on se tourne. Il va avancer là. Au pire, s'il se met dans notre dos, il se mettra dans la ligne de feu. Donc là, vous voyez, c'est un espèce de bait déguisé. Notre dos est là. S'il se met par là, il nous tire dans le dos. Donc c'est super dangereux. Mais s'il se met par là, on est d'accord qu'il est en plein milieu de mes mecs et qu'il est mort. Voilà. Donc vous pouvez forcer plus ou moins l'ennemi à aller où vous voulez en faisant ce genre de choses. Ils prendront jamais le bait si jamais ils sont malins. Voilà, donc là, fini. Il a plus de senseur, plus rien. On l'allume sans bouger. Il a plus de défense. 56%. Ok, on lui a enlevé la moitié de ses armes et apparemment on lui a détruit des actuateurs. Alors ça c'est les bras dans le torse. Ah non, on a arraché le torse aussi. Donc ça a touché le bras, ça a perforé le torse et ça va aller vers l'interne maintenant. Yes, commander. Bon bah Mustang, Mustang qui est très chaud là. Hein. Qui est très chaud, on va juste marcher. Se mettre 5 gallons, on est... Bah, on le force à bouger. Ce qui m'embête, c'est qu'on a une ligne brisée. Qu'on pourrait peut-être éviter en se mettant sur une hauteur. 43%. Bon bah je crois que c'est fait. Donc là... Vous voyez, hein. Ok, on a un tir qui passe. Avec les 4 lasers, on aurait pu le détruire, mais il aurait fallu un tir parfait. Ce qu'on n'aurait pas eu. Mais on évite la chauffe. Yes, Commander. Et là, même pas besoin de bouger, on lui balance tout. Avec le SRM. Par contre, là, évidemment, si on tire, c'est shutdown immédiat. Donc on tire pas ERPPC. Ah! Oh là 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 là, la chauffe est horrible. On va juste tirer au SRM6. On pourrait rajouter le SRM4, hein, c'est pas catastrophique. On aurait 7%, 6%, 5%, un truc comme ça, que nos munitions explosent. Ce qui, en général, on le fait. Hein. On ne s'arrête pas à ces détails. Les chances que t'aies des explosions de munes, c'est vraiment bas. Par contre, est-ce qu'on a mis un case? Regardons où sont nos munes. S'il y a un case sur nos munes, c'est moins grave. On n'a pas de case. Donc c'est grave. On va juste tirer au SRM6. Avec les trous qu'il a maintenant, ça devrait le faire. 63%. Faire un tir visé que pour la moitié de nos armes, enfin une seule arme, c'est nul. Ok, il est passé en paniqué en un tour. Si il va jouer et après tout le monde joue, ouais, bon. Ce qui est dommage, c'est qu'il a toujours l'init du coup. Mais ça c'est la sécurité, il vient au cac. Ça va être la fin pour lui je pense. Manœuvre désespérée, nous mettre 35.
sur une unité lourdement armée qui a 1000 d'armure. Ouais. Standing by. Ok, je crois qu'on peut l'allumer au Holocaust. Lâchons-le. Confirmed. On rate encore. Vous voyez le 79. On fait que des 90, donc c'est très très bizarre. Plus 30 de chaleur, on a détruit l'autre bras, je pense. On a attaqué de l'autre côté. Hein. On va réserver, on va mettre un coup avec Behemoth simplement. Commander. Sa spécialité, le corps à corps. Hein. 85. Voilà. Voilà, avec un vrai tonnage, vous pouvez faire des trucs plus sympas. Alors, c'est loin d'être fini, hein. Yeah. Hop, le panthère, on va le laisser où il est, en fait. Juste le tourner. Voilà, il va nous couvrir ce côté-là. Mustang. Good to go. On va sprinter, même si ça nous refroidit moins. C'est Jainer qui va s'y coller. Ça va quand même un peu refroidir. Ready for orders. Got it. Run, don't shoot. Toujours pas dissipé, hein. Bon, adrénaline qui s'est pris le coup dans le dos, c'est pas cool, hein. Alors, Mustang, c'est bon. Aïe aïe. L'embrace. Hunkering down. Ok, on y va avec la sauterelle au cas où le danger soit là-bas. On la laisse au milieu de nos trois mecs en fait, en triangle. Hein. Et le Shadow, qu'on va juste le décaler légèrement. Si vraiment il y a un mec dangereux, on pourrait utiliser le Radiation Field. Même si c'est toujours un tout petit peu dangereux de faire ça. À cause de la chauffe sur un endroit qui ne déchauffe pas. Et voilà, on va se mettre à côté. Acknowledged. Et ready for orders. Good to go. On my way. Alors, tenir cette localisation jusqu'à ce qu'on puisse attraper la paye. On fait le braquage. Ok, braquage en cours. Ready for orders. Got it. Commander. Good to go. The asset has been secured and is ready for retrieval. Ok. Bon, pas eu de renfort. On a eu le temps de piquer la paye et se casser. On a bien tué les ennemis. Voilà. Donc ça, c'est mission easy, mais pour pas grand chose. On a un petit peu trop détruit le dernier Jainer. Le Locust est blessé. Mais on va pouvoir récupérer pas mal de matériel de base. Il n'y a rien de sexy là. Hein. Les munitions SRM serait cool de les récupérer, mais on va pas mettre de nid dessus. On va juste récupérer les deux. On récupère le reste. On aurait pu prendre le PPC, mais je pense que former des trucs comme ça et les vendre ensuite sera rentable. Alors apparemment on peut scrap des parts, ce qu'ils mettaient. Alors allons dans le store. Selling. Est-ce qu'on peut vendre? Non, on peut pas vendre, alors on les scrap comment? Welcome to the police pit, Commander.
Ah, on peut les scrap directement comme ça. Alors attendez, on va faire un test. On a Firestarter, Enforcer. Enforcer, on va garder. Firestarter H, ça c'est le classique. Avec autocanon qui ne sert à rien. Et ça, c'est vraiment la brutasse. En fait, il a pas les autocanons. Il a deux ports de moins. Donc il doit avoir quelque chose en plus, hein. On est d'accord. Ok, on va scrap ça. On va regarder, il nous en propose 100 000. Ok. Ok, non, je voulais juste voir le prix. Alors, éventuellement, on pourrait scrap deux de ces pièces et s'en débarrasser. On pourrait se débarrasser des deux Firestarter. J'aimerais bien en avoir un de Firestarter parce que maintenant qu'il y a les règles de viser au sol et qu'on peut mettre le feu, il faudrait voir comment ça fonctionne. Dans le jeu de plateau, quand vous mettez le feu à un icône forêt par exemple, il y a de la fumée qui se met autour. Au début, la fumée n'infectait pas les battle mechs dans les premières règles du jeu. Et du coup, ça affectait tout ce qui était infanterie et tank et tout ça. Donc ça gênait pas. Mais ensuite, dans les règles qu'on suivit, ils ont changé, ils ont mis un errata comme quoi ça augmentait comme l'équivalent d'une forêt. D'une forêt lourde, je crois. Et du coup, les icônes de fumée, quand t'étais à deux cases dans la fumée, bah, on pouvait plus te tirer dessus. Donc en fait, c'était un bon moyen pour un brawler d'avancer dans une forêt. Quand il se faisait tirer dessus, il y avait des feux indirects, et du coup ça faisait de la fumée, et il restait caché, très proche de l'ennemi, sans pouvoir se faire tirer dessus. Et ça, au bout d'un moment, il y en a qui surexploitaient le truc. Et sur le petit programme PC qu'on utilisait nous pour faire ça, bah, ça faisait perdre beaucoup de temps, parce que l'ordinateur calculait les déplacements de la fumée, les déplacements des feux, et tout ça. Vous voyez ? Donc il y a certaines personnes qui ne jouaient pas avec ce genre de trucs. Donc là, j'aimerais bien voir comment c'est fait. Ok, donc on n'a pas de problème dessous, on va réparer. Alors, je sais pas pourquoi il me dit pas réparer. Parce qu'on n'a pas le choix, il faut remettre un heatsink. Ok, on répare, mais là il est pas complet donc faut rajouter un heatsink. Hop, d'ailleurs, on va le remettre dans la tête. Hop, 2 jours de réparation, on confirme. On peut faire une mission sans lui. Mais plus on va laisser courir comme ça. 2 jours, on peut se permettre. Hein. On peut se permettre si on le met bien sûr devant. Et on a le ship upgrade dans un. Ouais, allons faire ça. Hey boss, we've just completed those upgrades. Ok, donc on est passé à 7 en permanent maintenant. Donc un jour pour le locust. Hop. Et on va se faire une autre mission. Alors je vais couper là. Je vais essayer de couper à chaque mission pour des petites vidéos courtes. Mais je les enchaîne. Hein, donc normalement ça ne devrait rien changer pour vous. Si vous suivez la playlist. Merci d'avoir suivi. Et à bientôt.